Moi, je crois toujours en la vertu des choses, des films très bien faits, des films bien faits. Et j'ai essayé, avec mes amis metteurs en scène, de faire des choses bien faites aussi, que ce soit en comique ou dramatique, et ça marche comme un bon plat en cuisine, quand il est bien cuisiné, est toujours bon, je crois. Ce qu'il faut aussi dire une chose, et ceci, votre modestie vous empêche évidemment d'en le faire, c'est que tous ces films ont Louis de Funès pour interprète. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès qui a été le vôtre ? Ah non, pas du tout. Il faut vraiment dire que c'était fantastique. J'avais été effrayé. Oui. Mais est-ce que vous avez senti cette espèce de montée de votre succès ? Si vous voulez, vous me faites penser à ces bons coureurs cyclistes, vous savez, dans le Tour de France, qui participent à tous les Tours de France, qui ne sont pas des lanternes rouges, mais qui sont 24e, 25e, puis un jour, ils passent 15e ou 14e, on dit, tiens, oui, petit, c'est pas mal, et puis on croit que ça s'arrête là, puis un jour, ils sont premiers, et vous, vous êtes premier tout le temps. Est-ce que vous avez eu conscience de cette évolution progressivement ? Oui, je l'ai fait un peu je l'ai obtenu involontairement, parce que je peux le dire, sans me flatter, j'ai toujours mis essayer de mettre le maximum de qualité dans ce que je faisais, le maximum de trouvailles, de choses. Et ça m'a occasionné cette montée insensible. Et puis alors après, quand j'ai été au fait, là, ça m'a effrayé. Là. Mais je ne cherchais pas à aller là-haut, je cherchais à bien faire. Et peut-être que je tombe dans une période où il n'y a pas beaucoup de gens qui songent à bien faire aussi. Alors c'est peut-être pour ça. Moi, je crois aussi que parce que je suis premier en Tour de France, dans ces Tours de France-là, je suis premier, parce que moi, je crois que normalement, je devrais être un bon second. Et puis, il n'y a pas de premier, j'ai cette chance-là, je crois.